Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 3 de Sonic Adventure 2 Battle. Donc voilà, je vais vous montrer l'introduction de l'équipe Hero. The Hero is the best of the best. L'équipe de Sonic. Voilà, vous voyez, un hélicoptère. C'est peu commun dans Sonic. Enfin bon, après on a l'habitude maintenant. Enfin, moi j'ai eu l'habitude dès le départ, vous savez. Enfin, non, parce que quand même, mon premier Sonic c'était Sonic Advance et il n'y avait pas d'hélicoptère encore. Il y avait le vieil avion de Tails, son vieux coucou. Ah, on voit City Escape en dessous. Vous allez voir, franchement, ce niveau c'est vraiment l'un de mes niveaux préférés. Si... Bah c'est là en fait la première fois que j'ai vu ce Sonic. C'est le premier niveau que j'ai fait réellement. Car j'ai d'abord commencé par l'équipe Hero. Et franchement, que de souvenirs ce niveau City Escape. Avec la musique totalement énormissime que je vous laisse admirer. Attention à tous. Suspect seen heading south. Block all major roads and capture the suspect. Voilà, je pense que vous avez entendu suffisamment. C'est vraiment un thème, l'un de mes thèmes préférés. Voilà, le thème de City Escape. Hein. Je suis déjà 216 anneaux, décidément. Franchement, là, je joue comme d'habitude, bien. Voilà. Que je fais contrairement dans les vidéos, la plupart du temps. Là, vous voyez, je viens de faire une acrobatie pour monter plus haut, pour faire un grand saut pour aller ici. Petit passage secret, on va dire. Et là, je descends. Là, ce niveau, il est énormissime parce que vous avez vu quand même la diversité des trucs. On va carrément faire du skateboard au début, et après, on se retrouve à se faire poursuivre par un camion. Le camion fou furieux avec une autre musique qui s'enchaîne, mais bon, ça c'est pas un thème connu, enfin c'est pas un thème incroyable.
juste des guitares électriques qui se battent en duel. Attention au camion quand même. Peut-être que je me fasse toucher. Sinon je vais perdre un peu de ma dignité. Ah voilà, la fin du niveau. Go the rings. Et voilà, là je sens la note. Je sens la note de best of the best. Eh oui, la note A. Bien sûr. Vous voyez, c'était pas des conneries, hein. Je me débrouille mieux avec les héros. Bon, surtout parce que j'ai envie de me concentrer, bordel. Mais... parce que j'ai fait vraiment du grand n'importe quoi avant, purée. 2 heures, je crois que j'ai fait 2h30, oui, pour finir l'aventure avec les Dark. Oui, on va être sympa, 2 heures. Première vidéo, je sais pas combien de temps elle durait. Je sais même plus. Voilà, vous voyez, là j'ai... si j'avais pas cette spécialité, j'aurais pas tout de suite touché 2 fois le boss. Bon là je vais le battre vraiment vite fait, purée. Il arrête de tirer comme un con sinon. D'accord, je l'ai pas touché, c'est bizarre. Voilà, on fait un homing attack et là il comprend plus rien. Et voilà, il est mort. Ennemi de chiottes. Bon voilà, ennemi battu en 37 secondes. C'est un nouveau record. Et voilà, c'est là que Shadow va faire sa première apparition. Shadow is the Hedgehog. Et là, son thème principal qui se met en marche là. Attention. Et Shadow a fait un peu du grabuge hein, dans la ville, donc voilà. C'est pour ça que la plupart des humains attaquaient Sonic. Voilà, là on voit carrément le voir se téléporter. Je crois que je vous avais déjà montré ça en fait, dans la vidéo précédente, la partie 1 là. En fait, ça sert pas à grand chose de vous mettre... la cinématique, enfin la cutscene. En fait, c'est à peu près la même que celle d'avant. Enfin, c'est pas grave. Bon, elle est quand même un peu différente. Vous voyez, on voit quand même à la fin après Sonic qui va se faire capturer par les flics. Et là, on va voir un vieux couple qui va s'engueuler. Je crois que je vous avais déjà montré aussi ça. J'arrive. Ah bah, je vais passer pour vous hein, parce que c'est vraiment exactement la même chose là. Ils sont pas trop fait chier. Enfin en même temps ils sont un peu obligés. Parce que bon les deux histoires s'entremêlent quand même. Beaucoup. Je sais pas trop si ça se dit mais c'est pas grave. Ah purée, j'ai vu la Chaos Emerald, enfin j'ai vu le morceau de la Chaos Emerald, il y en a un là. Juste là. Comment je vais la voir ? Sérieux, comment je vais la voir? C'est impossible. Ça, il est juste... je sens que je vais encore faire recommencer, ça va être incroyable. Oui, j'aime pas ces ennemis. Bon allez, on fait recommencer. Je suis un petit joueur. Non mais sérieusement, comment vous voulez prendre la Chaos Emerald là? Enfin, le morceau de la Chaos Emerald. De l'émeraude mère. De la Master Emerald. De l'émeraude master, peut-être qu'il se dit en fait finalement. Je m'embrouille déjà. Ça fait seulement 9 minutes et je m'embrouille. Purée, mais. Pff. Je veux plus grimper. Avec une musique qui fait vraiment rap. Les musiques de Knuckles, souvent, c'est une musique assez. Il y a du saxophone, il y a aussi du, comment dire, du DJ là. Ça fait vraiment mon rap. Je suis en train de rechercher. Par contre, vous voyez qu'il court vraiment vite. Purée, je suis bugué. Avec Knuckles, dans cet épisode, court vraiment très vite, hein, ça m'impressionne. Il court beaucoup plus vite que dans les autres épisodes. Dans l'épisode précédent déjà.
c'est quand même assez incroyable, c'est presque Sonic hein, là, c'est... Attention, c'est Knuckles, une puissance 1000. On va se le faire. Ouais, ou peut-être que dans Sonic Boom, surtout, c'est Knuckles, mais... Je pense que c'est quand il l'a utilisé, mais... Ici, quand il s'est dopé, hein. C'est Knuckles version dopée. Carrément. Alors, l'émeraude, elle est où? Où est l'émeraude? D'accord, il y en a lui qui m'a foncé dessus, mais j'ai sauté au bon moment. Ouais, bah. Je réfléchis encore. Et je trouve rien. Comment est-ce possible? Peut-être que c'est là-haut. J'arrive pas à monter. Oui. Les sauts sont buggés des fois. Grave. Des fois on veut faire un saut mais... Comme je vous ai dit pour Sonic ou Shadow ça fait un homing attack direct. Et bah eux ça fait pas un homing attack mais ça fait un espèce de bug. Voilà ça. C'était un pur exemple, là ça le fait plus. Et comme par hasard ça le fait plus maintenant. Mais voilà au bout d'un moment ça le fait, c'est vraiment bizarre. C'est comme si on saute deux fois d'un coup en même temps. On appuie vraiment très vite sur le bouton, je sais pas comme ça. Vraiment encore plus vite que ça donc... Un truc inhumain quoi. Ah d'accord. On va tomber. C'est un peu pas mal. Trouver la dernière. Le dernier petit morceau. Peut-être là-dedans, non. Ça m'est déjà arrivé en plus qu'il soit sur ce truc là, sur ce truc qui... Qui est... Mais qui fait du vent. Il y a du vent, et bah... Voilà, quoi. Ça m'est déjà arrivé que qu'il y ait un morceau d'émeraude dessus. Comme avant, vous avez vu. C'est pas pratique. C'est pour ça que j'ai tout de suite préféré recommencer au bout de 30 secondes de la mission. C'était pas mal, je me suis plutôt bien démerdé, on va dire. Surtout, j'ai eu le réflexe de faire recommencer dès le départ, donc c'est très bien. Faudrait que j'ai ce réflexe. Il fallait que j'ai ce réflexe dès le départ. Vous voyez quand même, c'est très dur d'avoir des A dans ce genre de mission. Sauf que ça fait que de changer. À chaque fois, à chaque coup de reset ou à chaque coup de. Qu'on recommence ces missions-là, à chaque fois ça change les positions de. Des émeraudes. Des morceaux de l'émeraude mer, chaque fois ils font que de changer. Mais bon, c'est un peu galère. Mais si au bout d'un moment on va quand même connaître un peu les emplacements à 50%. 50% de chance que l'emplacement de l'émeraude, enfin. Du morceau bah, soit par là. Enfin voilà. Vous voyez le truc. Mais qu'est-ce qu'Amy fait ici, bordel? Je me demande aussi, Tails. Attention, la transformation ultime de Tornado. Là, vous voyez, ces gars, ils ne font pas que des... ils ne font pas que des clins d'œil à Dragon Ball Z, ils font aussi des clins d'œil à Transformers. Hein. C'est la nouveauté. Bon, bah, je bourrine, puis je vais le battre. Voilà, c'est palpitant, n'est-ce pas? 14 secondes pour le battre. Ouais, c'est bien. Ça va pas être pareil le deuxième affrontement, je le sens. Ça va être aussi foireux que quand je vais Eggman. This time I'll let you go, but the next time we meet, you won't be so lucky. Attends, je crois que c'est la même. Non, je crois que celle-là on l'a peut-être pas vue. Je sais pas. Non, on l'a pas vue. Parce qu'on voit direct Dr. Eggman ailleurs après. Dans son espèce de base. De base avec des pyramides. Bon, la première apparition de Amy, c'est dans Sonic CD.
la petite copine de Sonic, hein, comme par hasard. Il faut toujours qu'il y ait une petite copine, quand même. C'est incroyable. Ah, trouver le centre de la prison. Attention, attention. Bon, là, c'est le niveau, franchement, c'est presque le même niveau que le premier niveau de... d'Eggman. J'ai réfléchi pour tout maintenant, c'est incroyable. En même temps, il se fait tard. Ah, il a... Là, j'étais un peu bloqué au la première fois, mais en fait, il fallait détruire l'ennemi qui est... Vous avez vu, l'ennemi qui était devant. Il fallait un peu le voir quand même, ça. Oh, oui, je me réveille là quand même, je joue mieux qu'avant. Pourtant, je me suis pas du tout entraîné, hein. Je le fais direct après cette vidéo. Et depuis que j'ai fait la partie 2, et ben, je me suis pas du tout entraîné. On va dire que la partie 2 était mon entraînement. Franchement, c'était pas... Franchement, j'ai fait des très mauvaises prestations dans la partie 2. Comme dans la partie 1 d'ailleurs. Voilà. Vaut mieux que je me rattrape encore une fois. Là, vous voyez un ascenseur, hein, c'est du même style que qu'avec Eggman. Je crois qu'il y avait un ascenseur aussi. C'est vraiment... Là on est dans la base militaire, c'est pareil. Pour délivrer notre pote Sonic. Bien sûr c'est Amy qui va le libérer. Après. Je sais pas, Thaïs, il y a peut-être pas de temps, je sais pas. Là, voilà, on va détruire un peu les ennemis, voilà, la porte s'ouvre automatiquement quand on détruit certains ennemis. Pas n'importe lesquels, hein. Bon. Voilà, l'ennemi blanc, on s'en fout. C'est pour apporter plus de points, ceux-là. Parce qu'ils nous font rien, sinon. Je me suis fait toucher par je sais pas quoi. On bourrine à chaque fois en avançant, et puis ça passe. Hein. Ah, ça passe. On va dire, à peu près. Et quand même que ma barre de vie est un peu... souffert. Mais je m'en fous. Je suis encore touché deux fois et puis après c'est la fin. Voilà, je crois que j'ai eu l'ennemi là. J'ai vraiment fait bourrinage de ouf. Ça marchait en plus. Voilà, on est à l'anneau de fin. Je pense que je vais avoir une note plutôt correcte. Même si je me suis fait toucher pas mal de fois, donc je suis pas un C. Ils sont vraiment durs quand même. Ils comptent surtout pour les anneaux hein, dans ces niveaux là. Ben voilà, C. Alors, je me disais bien. Pourtant, j'ai un total de score de 19 000, c'est plutôt beaucoup. Souvent, avec 19 000, on a plutôt A, mais bon. Je trouve qu'on soit... Ce qu'on soit noté dans les Sonic maintenant, et ben, je trouve que c'est pas mal. C'est quand même une bonne idée de Sega. Parce que au moins après bah, c'est pour se refaire le niveau et de se le faire parfaitement quoi. Bon je trouve que c'est une bonne idée. Après il y en a qui peuvent ne pas aimer. Ils préféraient ce qui c'était comme avant. Hein. On voit juste notre score et puis c'est tout, il n'y a pas de notes. Et puis surtout le score on s'en fout totalement. Encore une fois. Pourtant j'en parle tout le temps. Ah là c'est un niveau pas mal aussi hein, un de mes niveaux préférés aussi. Souvent en fait les niveaux de Sonic ils sont mieux que les niveaux de Shadow je trouve. Ils sont plus vifs, ils sont plus rapides. Bon. Ouais vous allez voir voilà Metal Harbor. Échappez-vous de la base militaire. Presque exactement comme City Escape d'ailleurs dans City Escape il y a Escape. Échapper, donc voilà. On aime bien s'échapper, le petit Sonic. Là, vous allez voir. C'est un niveau que je connais assez bien, encore une fois aussi. Là. Donc, je vais plutôt pas trop mal me démerder si j'y arrive. Attends, faut qu'il fasse le truc là.
Je veux vous montrer. Ah mais si. Voilà. Vous avez vu, ça c'est quand on trace tout, sur tous les anneaux là. Les anneaux nous font un chemin prédéfini. On fait juste B devant ces anneaux alignés. Et pouf, il fait cette espèce de truc là, voilà. Il vole. Bon, c'est assez étrange, mais bon. C'est comme ça, bon, c'est pas mal comme technique. Ça a pas du tout été exploité par contre dans les Sonic qui sont sortis très récemment. Comme Sonic Lost World ou Génération. Generation, ça fait plus classe. Bon, je croyais que c'était quand même une bonne idée ce truc là. Avec encore un bug. Décidément. Ah, une petite vie. Un petit jingle, bon, qui est très moyen. Bon, je sais pas pourquoi ces gars ils font que de changer de jingle à chaque épisode. Le meilleur est toujours le premier. Franchement, bon, moi le premier jingle de Sonic que j'ai entendu plutôt, c'est celui sur Game Boy Advance, encore une fois. Puis on tombe. Et je sais pas comment il a ramassé le skate hein, d'ailleurs. Faudrait lui demander. Ah, j'ai une one-up, content. Ah, surtout que les one-up sont assez rares quand même. Et voilà, on tombe sur l'anneau et c'est parfait, on a gagné. Et je sens la bonne note là arriver. Franchement, je me débrouille plutôt bien dans ce début d'épisode. Ah d'accord, j'ai que C. Pourtant j'ai fait un perfect. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Enfin, peut-être que j'ai un peu galéré pour aller pour prendre les anneaux alignés au début. Mais c'est parce que le bouton B il s'affichait pas. Enfin, voilà. Ah, et là on va recombattre contre Shadow. Parce qu'on aime bien Shadow. Enfin, recombattre contre Shadow, non. C'est, avant c'était combattre contre Sonic, maintenant c'est combattre contre Shadow. C'est le contraire, bien sûr, parce qu'on est les gentils maintenant. Bon, on va tout de suite prendre un anneau avant que je crève. Ça va peut-être bien. Et je vais pas faire un gros fail comme avant. Oh, je sais pas, il est complètement paumé là, notre Shadow. Bon, tu viens? Enfin, je le touche avec une petite roulade. C'est vraiment dynamique le combat avec la caméra qui bug. Ça rend encore plus la chose dynamique. Comme on peut le dire. 23 secondes! Quand même, c'est incroyable. Échappez-vous de l'île en 8 minutes. Voilà, faut encore s'échapper, décidément. Alors, dans ce Sonic, échappez-vous. Ouais. C'est votre principal objectif. Vous échappez. Ouais, bon, là, on a 8 minutes, mais sérieusement, 8 minutes pour faire ce niveau. Je crois que... Ouais. Je sais pas. Le timer, il sert un peu à rien. Je dis par exemple les 5 minutes là quand on était avec Rouge là. On avait 5 minutes là au timer, c'était assez chaud hein, vous avez vu. Mais là franchement par contre on n'est pas du tout pressé par le temps. 7 minutes, 8 minutes c'est largement le temps, il n'y a pas de quoi avoir peur. Bon, même si moi je vais quand même me grouiller parce que pour que ça fasse plus style, vous avez vu comment j'ai fait ma glissade sur le côté, magnifique. Ouais, d'accord, c'était pas très beau par contre. Alors, avec aussi une très bonne musique là, encore une fois. Même si je la trouve moins bonne que les deux précédentes. Mais il y a quand même beaucoup plus de niveaux avec Sonic là. Et moins de niveaux avec Knuckles, ça c'est bien. Je trouve ça bien. Enfin, si en vrai il y en a autant, je crois, avec Knuckles qu'il y a avec Rouge donc. C'est juste qu'on les a moins tôt, je pense, avec Knuckles. Mais on a plus de niveaux de Sonic aussi. Peut-être qu'une impression, je sais pas. Regardez-moi cette vitesse.
Free. Encore 6 minutes 34. Je pense qu'on va pas réussir. C'est très compliqué. Bon, on saute encore avec plein de bumpers. C'est la particularité de ce niveau, c'est qu'on s'enfuit pas juste en courant, mais on s'enfuit par bumper. Je veux dire que c'est un peu différent. Donc voilà, sinon après on va se quitter puisque j'ai pas trop de temps. On va se quitter après ce magnifique niveau. J'ai plutôt bien avancé, puis la vidéo fait que 20 minutes, mais c'est pas grave. Sprint ultime. Bon, moi j'ai bien avancé en peu de temps. Voilà, surtout ça, faut se dire. J'entends du bruit et j'ai peur que je sois occupé après. On va sur les bumpers et c'est magnifique. 2 minutes 30. Vous avez vu, on met pas 8 minutes mais 2 minutes 30 à faire ce niveau. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Que c'est? Attends, ils se foutent de ma gueule. Oh non. Putain, j'ai fait presque le même temps avant et j'ai eu... Ah, c'est quoi ce truc? Ah, sérieux, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas. Ça, vous avez vu le tornado qui s'enfuyait de cette explosion. Il fallait absolument s'enfuir. Ah, voilà, trouver les trois morceaux de l'émeraude, de la Master Emerald. Oui, cet endroit semble hanté, oui c'est sûr, hein, mon cher Knuckles. Hein. Il veut se dépêcher. Hein. Bon, cette fois-ci, on va pas s'enfuir. Ah, on va gagner une vie déjà. Oh purée, on va peut-être en perdre d'une. Énorme. Non, mais qu'est-ce qui... Voilà, replacement, recalibrage de Knuckles. Super, il y a un fantôme qui m'a fait peur. Enfin, pas à moi, mais à Knuckles, on va dire plutôt. J'ai pas trop été surpris. Même si la manette tremble quand on se fait surprendre par un fantôme. Je vais aller tout là-bas, on va voir s'il y a une émeraude. Un morceau de l'émeraude mère. Non. Il y en a nada, il y a juste un truc qui nous balance des bombes. Voilà, c'est... Vous voyez, là c'est Halloween. Si vous avez pas remarqué, ça faisait Halloween, franchement, c'est un petit problème. Avec le fond quand même qui est pas mal ondulé au loin. Ce qui était marrant quand j'étais petit, c'est que bon, j'étais tellement con que je faisais ça, vous allez voir. Je mettais, voilà, comme ça, j'essayais de voler jusqu'à là-bas, je me disais peut-être qu'on peut aller jusqu'à là-bas là où il y a les citrouilles géantes. Je vous jure, sérieusement, je disais ça. Je me disais, mais pourquoi il y a une espèce de mur invisible, on peut pas y aller. En fait, c'est normal, c'est juste un JPEG, le machin. C'est juste un JPEG en 2D. Oh là là. Ah bah, quand on le dit maintenant, c'est sûr que c'est logique. Mais quand on est petit, on est si naïf. On veut toujours croire à quelque chose d'incroyable. Je ne trouve pas. La toute première, le tout premier morceau. C'est incroyable. Ah, est-ce que j'ai, avec Knuckles, j'ai cette spécialité? Alors, cet endroit semble familier. Alors, je n'ai pas encore son truc. Je l'ai pas trouvé. Peut-être que je le trouverai aussi comme j'ai fait avec le rouge. J'en sais rien. Peut-être que je l'ai carrément loupé parce que je pense que c'était plus dans le premier niveau comme rouge. Franchement, là, ça semble pas terrible. Je vois pas le morceau. Pourtant, il y a eu un petit bout vert à un moment, non? Oh, je sais plus. Je crois. On va par là. On descend. Bon, je descends un peu brusquement. Je vous l'accorde.
Bon, il y a des trains volants aussi. C'est peu commun. On va. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire recommencer. C'est énorme ça. Alors, oh bon, en plus il y a une one-up. Ah bah, c'est pas grave de recommencer. On perd peut-être une vie en recommençant, mais on en regagne une. Donc voilà, vous voyez, c'est n'importe quoi. À chaque fois, faut faire recommencer. Vous allez voir, je parie que là, ça va être beaucoup plus simple. C'est toujours ça, ce niveau-là. Ah, peut-être que lui, il faut le tuer. Hein. Parce que là, en sa position, on n'en aime pas. Ça m'aurait étonné. Quoique, faut vraiment s'attendre à tout. Ouais. Le rubis vert! Ah, il est jaune maintenant. Vas-y vite! Ah, par contre, je viens juste de remarquer que j'ai plus beaucoup de batterie à mon portable. Là où je capture ma voix. Donc, ouais, en fait, finalement, cette vidéo va pas durer très longtemps. En effet. Par rapport à celle d'avant qui était énorme. Voilà, réussi! On va descendre par là. Je sais pas, je m'en fous, je vais aller au château là-bas, voilà. Avec le train volant. Ah! Quelle coïncidence! Attends, faut que j'ai cette émeraude. C'est la première fois que je vois une émeraude accrochée à ça. Ah purée, la batterie est faible, ça vient de me le dire. Non! Ça va s'éteindre au moment où... par là. Purée, non. Pourquoi il s'enfuit, ce con? Il va assez vite, hein. C'est moins étonné s'il ne va pas. Parce que c'est quand même un train. Allez, vas-y. Purée. Non, mais sérieux, je dis que c'était plus simple en recommençant, mais en fait, c'est pas si simple que ça. On va regagner des anneaux, parce que voilà, c'est comme ça qu'on regagne des anneaux, des fois. Bon, là, j'ai le truc pour aller plus vite, mais ça sert totalement à rien. On n'est pas dans un niveau de vitesse. Je crois avoir entendu... le train. Il est où le train? Il est où le petit train? Le petit train, le petit train. Ah, vous voyez des... j'avais pas remarqué ça, il y a des spiders, des araignées. Oh purée, ils me foncent dessus. Ah mais non, mais non, mais non. Oh mais non, c'est énorme. On va prendre ça. Bon, je vais regarder ailleurs parce que franchement cette émeraude elle est chiante. Peut-être les anneaux aussi. Non, il n'y en a pas. D'accord, c'est la dèche ici. Mince, je suis tombé. Bon, moi j'ai pris un anneau. Ah, les sauts sont buggés quand même des fois. Vous allez peut-être me dire que c'est moi qui dis ça, mais c'est vrai. Bon, allez, on va revenir là où il y avait l'autre. Celui-là était beaucoup plus sympa à voir. Franchement, après ça, je vais arrêter la vidéo parce que là, on est vraiment à plus beaucoup de batterie. Allez, reviens. Je vais faire. Je vais essayer de la prendre comme ça. Purée, non. Ah oui, non. Mais non, mais c'est quoi cette émeraude de merde? Purée, mais. Comment on peut l'avoir? Sérieux, comment on peut l'avoir? Allez, vas-y! Vas-y! Non! Purée, mais. Est-ce qu'on peut tirer sur le. Ah. Est-ce qu'on peut tirer sur le. Le train? Ça n'en sait rien. Purée, je tombe encore, mais c'est pas possible! Je veux absolument finir
ce niveau de merde. J'arrive pas. On va faire comme ça, on va faire une petite technique. Et ça va être comme un cartoon quoi, on va être obligé d'utiliser plusieurs techniques pour avoir l'émeraude. Mais vas-y, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas combien de temps on va rester bloqué sur cette émeraude. Bon, je viens de gagner encore des anneaux. Hein. Décidément, j'ai de la chance. Sauf pour cette émeraude de merde. Purée, mais c'est pas possible. C'est quoi ce morceau là? Pourquoi il suit le train? C'est illogique. Purée. Allez, là je l'ai. Non. Ne me dis pas. Mais c'est quoi cette vitesse de psychopathe? Il va deux fois plus vite que moi. Je vois rien en plus. Caméra complètement buggée. Ah non. D'accord, c'était complètement n'importe quoi. Mais... passe par où déjà? Ah, pas ça. Allez. Là, mais putain, le saut, il a buggé. Et ça va faire ça à chaque fois. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Non, mais ce niveau de psychopathe... c'est jamais arrivé qu'il y en ait un derrière le train. Mais pas celui-là, en tout cas, parce que je crois que si, mais... pas ce train-là. Attends, mais lui, il est carrément dans les airs, quoi. Comment tu peux l'avoir? J'en sais rien. Si tu peux grimper, comme j'ai fait avant. Grimper... et redescendre au moment où il est là. Voilà. Putain, mais... c'est pas possible, je l'ai touché, là. Purée, la batterie. Ah, saleté. Allez, vas-y. Oh, mais... oh, non. Ne me dites pas que je l'ai pas touché, là. J'étais complètement dessus. Purée, mais... non. Mais en fait, il est impossible, quoi. C'est ça que vous me dites, là? Vous êtes en train de me dire que c'est impossible? Mais moi, je vais continuer. Comme un gros taré. Putain, mais encore loupé. J'ai fait un plongeon, mais ça n'a pas marché. Comment avoir cette merde? Peut-être qu'il y a un moyen pour arrêter le train, je sais pas. C'est pas possible, comme ça. Attends, je suis complètement dessus, là. Voyage sans fin. Ouais, d'accord. Ça aide vachement. C'est vrai qu'on fait un voyage sans fin là, 7 minutes depuis. 7 minutes qu'on fait de la merde. Putain, je suis en train de chercher mon anneau. Je veux des anneaux. Car j'aime les anneaux. Bon, allez, on va prendre ce ballon, c'est plus simple. Voilà, 10 anneaux. Là, franchement, si là j'y arrive pas, mais. C'est pas possible. C'est quoi cette merde? Cette malchance. Franchement, vous avez vu, c'est n'importe quoi. C'est n'importe nawak. Donc là, peut-être qu'il y a vraiment un passage spécifique, hein, je sais pas. Peut-être qu'il y a un truc pour faire arrêter le train. Ah, là, je suis complètement dessus. Mais non. Bonjour, bonsoir, c'est n'importe quoi. 5 anneaux. Je vais faire ça à chaque fois. C'est énorme. Non, mais... je ne peux pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Bon allez, interrupteur. Est-ce qu'il y a un interrupteur? On va chercher un interrupteur maintenant. C'est magnifique. Pourquoi à chaque fois on se retrouve avec une émeraude de merde comme ça, introuvable et... enfin, soit introuvable, soit impossible à avoir. Presque impossible. Parce que si on l'a, c'est pas impossible. Bordel. Attends, il n'y a pas d'interrupteur, donc je fais quoi? Je suis... comment ça se passe? Allez, vas-y! Oh mon dieu, non! Là, je tombe encore. Ok, vous voyez une magnifique texture. Je crois que vous, là, vous avez plus d'œil. Vous avez plus d'œil. Purée, non! Fallait peut-être pas que j'insulte le jeu. Purée, mais il faut qu'il revienne l'autre là. Oh oui. Non, mais purée, c'est complètement buggé, c'est pas possible. Genre, il veut recommencer.
Attends, ça, j'ai trop envie de faire ça. Mais c'est surtout qu'on le voit, bordel, on la voit l'émeraude là. C'est bien ça. Purée, mais c'est bugué, non, mais c'est bugué. Non, mais sérieusement. Bon, vous pouvez passer la vidéo hein, à partir d'un certain point. Purée, enfin. Enfin, mon dieu. Mais j'ai fait. Sérieusement, j'ai fait 20 fois pareil. Là, c'était de la pure chance. Non, c'était du pixel près, faut le dire. C'était du pixel près. C'est n'importe quoi. Donc voilà, on est à la fin de cette partie. C'est bien. Mon portable ne s'est pas éteint. Bon, je pense que la cinématique, il n'y a pas besoin de vous la montrer, c'est la même. Avec la fille qui est bigleuse, qui a une tête horrible. On dirait que ça a été fait par vous savez pour le code là il nous montre souvent des petits films là pour qu'ils nous notent au, soit la SSR par exemple ou le code sur internet ça, il nous montre des petits films là que, de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut pas faire par exemple il y a un feu rouge qu'est-ce qu'il faut faire bah bien sûr attendre que le feu passe en vert, bien sûr. Eh bien, bien sûr, sur ces trucs-là, c'est assez moche. Et bah, c'est à peu près comme ce qui est fait, comme comment est fait cette cinématique, vous voyez. Enfin, comment sont faits les bonhommes, en tout cas. Ils sont assez mal faits. Un par Dr. Eggman, bien sûr, est bien fait. Bon, voilà, 24 heures. C'est vraiment exactement la même chose. Voilà, et là on voit notre pote Sonic, Amy and the Tails. Amy qui fait la gueule. Eggman. Oh, that creep never gives up. But how did he manage to harness all that energy? It's got to be the Chaos Emeralds. Yeah, that's the reason they were looking for him. Tails. Ah, c'est là que Tails donne l'émeraude, la fausse émeraude qu'il a fabriquée. Par son ingéniosité. Bah, la donner à Sonic, bien sûr. Pour que Sonic l'utilise un peu à la force. La force est en toi, Sonic. Utilise la force. Utilise ton cosmos. Utilise ton kai. Utilise ton n'importe quoi, mais du moment que. Que tu peux téléporter et vaincre Shadow. Voilà. Alors on se retrouve à moitié dans City Escape, hein, vous voyez, mais de nuit. C'est assez bien fait. Avec toujours ces fameuses pancartes, purée. Mais mais c'est pourri. Bon, d'abord je me fais ce con. Ces fameuses pancartes, bon, vous la voyez à moitié. Hein, Planet of the Chaos. La planète des chaos. Voilà, chaos. On voit vraiment des chaos partout. En même temps, c'est la première apparition du chaos, je crois. Enfin, non, c'est dans Sonic Adventure DX, mais bon, ouais. Vous voyez, un hamburger, franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est du publicité, quoi. Du publicité partout, vous voyez. Ça fait bizarre dans un Sonic, mais bon, c'est parce qu'on est dans le monde des humains, et voilà. C'est la petite excuse de Sega. Pour dire, c'est pour ça que ça fait plus. Plus humain, Sonic, là. Enfin, on est dans un monde. Il n'est pas si magique, qui est plutôt high tech, contrairement au premier Sonic où c'est plutôt, ben voilà comme Mario quoi, c'est dans le royaume enchanté, dans le royaume champignon. Enfin, je sais pas pourquoi je continue le niveau finalement, je sais pas, j'ai envie. Bah on se quitte ici, hein. Je referai peut-être le début, voilà, dans l'autre partie. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Je vais faire exploser tout ça. Ça va être magnifique. Wow, quelle physique incroyable. Une physique totalement scriptée. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. On se retrouve dans la partie 4 de Sonic Adventure 2 Battle.